J'interviens pour la famille de Moïse Chokroun. Moïse Chokroun est un homme âgé de 72 ans, retraité, qui a disparu le 24 janvier dernier devant la synagogue du 19e arrondissement, rue Barbanègre. Moïse Chokroun est reparti ce soir-là aux alentours de 21h de la synagogue sur son vélo, la tête couverte. Il a emprunté le canal de l'Ourcq qui le mène jusqu'à sa demeure à Saint-Denis. Il n'a pas donné de signe de vie à partir de 21h37 ce soir-là. Depuis plus de 10 jours, la famille est sans nouvelles. Une enquête judiciaire a été ouverte. Et à ce stade, un numéro vert a été mis en place pour récupérer le maximum d'informations par le biais d'appels à témoins. La famille Chokroun et moi-même vous demandons aujourd'hui de bien vouloir passer un appel anonyme pour donner la moindre information qui sera susceptible de faire avancer l'enquête et qui nous permettra de retrouver Moïse Chokroun. À cet effet, je vous communique le numéro de téléphone que la police judiciaire a mis en place et a diffusé sur les médias, le 0800 0027 08, le 0800 0027 08. L'appel que nous faisons aujourd'hui est destiné à lever une omerta qui s'est peut-être mise en place dans le quartier du 19e arrondissement et dans Saint-Denis. Nous en appelons à toutes les personnes qui vivent aux abords de ce quartier. Il n'est pas possible que Moïse Chokroun ait disparu et se soit volatilisé un soir sans que personne n'ait rien vu ou rien entendu. Ce n'est pas quelque chose qui est audible, ce n'est pas quelque chose qui est compréhensible par la famille. Et nous demandons à toute la population qui vit aux abords du canal de l'Ourcq, de Saint-Denis ou du 19e arrondissement dans ce secteur de bien vouloir prendre le téléphone et de donner les informations dont elles auraient pu avoir connaissance. La moindre information permettra d'avancer dans l'enquête et nous permettra, j'espère, de retrouver Moïse Chokroun en vie.